Bonjour Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voici le commentaire d'une personne là. Je vais répondre à cette personne là. Je pense que cette personne là, c'est c'est sa première fois de tomber sur ma vidéo. Donc j'ai tout le temps. J'ai tout le temps. Donc va lire ce qu'il ou elle a écrit. Parce qu'on ne sait pas c'est qui. Voici ça. Ok, donc c'est le sorcier le plus. Attrape le sorcier plus fort, oui, c'est ça. Excusez-moi, le sorcier plus fort attrape le plus faible. Cette femme n'a jamais nié les faits. En Afrique, les choses comme ça se passent et les personnes interpellées avouent et dénoncent les autres membres de leur confrérie. Excusez-moi, confrérie. Confrérie. Ok. Je suis africaine. C'est moi, j'ai fait la vidéo. Je suis une africaine même, bien même, originale même, origigi, d'après les Ivoiriens. Ok, j'ai eu le fétiche. Ok, tu as affaire à quelqu'un qui a eu le fétiche. Parce que quand vous attrapez les sorciers, là, qui attrape? C'est les féticheurs, non? Donc moi j'ai eu le fétiche, je sais de quoi il s'agit. Quand tu dis le sorcier plus fort, qu'est-ce que tu peux dire? Le sorcier plus fort attrape le plus faible. Oh, le sorcier. Oh oui, celui qui est sorcier là, lui il attrape le plus faible. Donc, excusez-moi pour les erreurs là, excusez. Je ne vais pas reprendre la vidéo, je vais continuer comme ça. Il y a d'autres choses à faire. Pour ton information, le sorcier, celui qui a l'esprit sorcier, c'est Satan. OK? Le sorcier, c'est le diable. Ce n'est pas les êtres humains, c'est Satan, le sorcier. Donc, si tu dis le sorcier le plus fort attrape le plus faible. Le sorcier le plus fort attrape le plus faible. Donc, moi, je te dirais. Satan, c'est lui qui a l'esprit sorcier. C'est dans son esprit, là, il y a la sorcellerie. OK? Donc, si tu dis le sorcier le plus fort qui a attrapé le plus faible, ça, là, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais ce que je peux te dire, cette femme-là, elle n'est pas une sorcière. OK? La femme que vous avez attrapé là, ce n'est pas une sorcière, c'est quelqu'un qui est dominé comme toi. Toi, tu ne connais pas Dieu, tu es aussi dominé comme cette femme-là. C'est la même chose. La personne qui a écrit et puis la personne qu'on a attrapée là, toi et puis cette personne, il n'y a pas de différence. On est tous nés dans le péché. Le péché nous domine. Tous ceux qui sont encore dominés, moi je ne suis plus sous l'emprise du diable, je ne suis plus dominé par ce péché. Donc si tu dis le sorcier plus fort attrape le plus faible, c'est pas comme ça s'est passé. C'est le sorcier qui est Satan qui attrape quelqu'un qui n'a pas la connaissance. OK? Donc continue et tu as dit. Cette femme n'a jamais nié les faits. En Afrique, des choses comme ça se passent et les personnes interpellées avouent et dénoncent les autres membres. Moi, je te dirais que c'est faux. OK? C'est faux ce qui se passe parce que comme c'est Satan qui domine et Satan est père des mensonges, c'est lui qui crée tout ça là, tous ces mensonges-là. Tu sais? Avant que cela ne se passe là, les gens, ils ont bien sûr, ils sont allés voir un féticheur, ils ont fait les sacrifices, des choses comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc, quelqu'un qui n'est pas sauvé comme cette femme, comme toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Comme cette femme-là, le pouvoir, la magie que le féticheur a là, peut pousser les gens à dire de n'importe quoi, ce qui n'est même pas vrai. Ça veut dire, ils peuvent aussi dire le nom des gens. Qui fait ça? C'est Satan, le diable qui fait ça. Celui qui a l'esprit sorcier, celui qui vous domine dans votre village là.
Il a le pouvoir, il a la puissance de pousser quelqu'un à parler. OK? À mentir, parce que c'est un menteur. La dame qu'ils ont attrapée, elle peut parler, oui. Elle peut dire, nous sommes cinq, nous sommes six. Je ne suis pas seule. Toi-même, tu as écrit là, tu es dedans. OK? Toi-même, tu as écrit là. La dame peut te citer ton nom pour dire toi-même tu es dedans. Mais ce n'est pas la vérité. Pourquoi ce n'est pas la vérité? Parce que ça a été créé, tout ça là, c'est créé. C'est organisé par Satan. OK? Satan, il n'y a pas de vérité en lui. Il n'est que père des mensonges. Il n'y a pas de vérité. Le diable est père. Satan est père des mensonges. Et c'est lui qui a l'esprit sorcier. Il fait tout ça là pour quoi? Pour assassiner, pour tuer. Donc toi aujourd'hui, tu viens, tu es en train de parler, tu es en train de dire là. Tu es en train de défendre. Tu défends qui? Tu défends le sorcier, tu défends Satan. Tu veux dire que tout ce qui se passe là, c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. Moi, je te dis que ce n'est pas la vérité. OK? Donc, qu'est-ce que je vais dire encore? Voici ce qui se passe ici. Je vais vous montrer ce qui se passe là d'abord. Et puis, on continue. Bon, c'est sous cette vidéo que j'ai fait là qu'il a écrit. Hein. Donc, je vais aller ici. Vous voyez ce qui se passe en Afrique, que les gens, les Africains, ceux qui sont encore initiés dans la tradition africaine, ils apprécient là. C'est ça, là. Le meurtre des gens, la mort. Assassinat des gens. Donc la question que je vais vous poser là, c'est, tu aimerais qu'on te fasse ça? Est-ce que tu aimes que tu sois comme ça un jour? Tu aimerais qu'on fasse ça à ton enfant? Tu aimerais qu'on te fasse ça? Tu aimerais qu'on fasse ça à ta descendante? Tu aimerais qu'on fasse ça à ta mère, à ta soeur, à ton frère, à ton cousin, aux membres de ta famille. Tu aimerais, toi-même, tu aimerais être là comme ça. Tu aimerais qu'un jour, tu te réveilles. Tu es en train de marcher seulement. Je vais vous montrer un peu. Un peu là. Je vais pas montrer les. Attendez. Où ça y est? Vais m'arrêter là. Oh, ok. Oui. Excusez-moi. Tu aimerais un jour être comme ça, en train de respirer de l'air frais que Dieu est en train de te donner. Tu es en train de respirer, tu es calme, tu es en train de marcher dans ton village, tu es vivant, vivante. Tu es en train de prendre de l'air. T'es en train d'en profiter de la vie que Dieu t'a donnée. Et puis, pouf! Les gens là. Je vais pas vous montrer tout ça là parce que j'ai montré ça. Attendez. Pas tout montrer, oui. Et pouf! Oh! Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je vais pas montrer la vidéo là comme ça. C'est bon. Bon, excusez-moi si j'ai monté d'autres choses. Bon, tu es en train de respirer de l'air et puis les gens du village se permettent de te ôter la vie comme ça. Tu aimerais ça dans ta vie? Est-ce que tu aimerais ça? Tu aimerais qu'on te fasse? Parce que quand tu supportes ça là, c'est ton sort qui sera ça. C'est le sort de tes descendants. Si tu supportes le mal, si tu aimes le mal, c'est comme ça ta vie là, c'est comme ça tu vas finir. Donc la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 12, que Dieu vous aide à comprendre cette parole, que cette parole puisse s'enraciner en vous. Matthieu 7, 12, c'est dit, faites pour les autres. Tout ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Oui, c'est ça, commandent.
La Bible dit, Dieu dit dans sa parole, ce que tu aimerais qu'on te fasse là, fais ça à l'autre. Faites pour les autres, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Tu veux qu'on te tue de cette façon-là? Tu veux qu'on te tue comme ça? Ce que tu n'aimes pas là, faut pas faire ça à l'autre. Faut pas faire ça à l'autre. Ce que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse là, c'est pour cela la malédiction règne dans votre village là. Oui, et vous savez, quand Dieu est vraiment en colère là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quelqu'un d'autre qui va venir régner là. Quelqu'un d'autre va venir prendre votre village là. Oui. Quand vous êtes dans le mal là, il y a quelqu'un d'autre Dieu va amener simplement pour régner là, pour prendre tout. Tout ce qu'il y a à vous là. C'est comme ça la vengeance de Dieu. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La personne a avoué là. Tu sais comment les gens ils avouent? Tu sais comment? Quand vous ne maîtrisez pas le monde surnaturel, le monde spirituel là, ne venez pas mettre votre bouche dans ce que vous ne maîtrisez pas. Si un fou commence à te parler actuellement là, le fou là, qu'est-ce qui est chez le fou? C'est les esprits impurs, non? Il parle à travers le fou, non? C'est la même chose. Quand quelqu'un se met devant vous en train de dire, nous sommes quatre, nous sommes cinq, nous sommes, tu penses qu'il parle à travers ces gens-là? C'est les esprits impurs. Le fou, il est possédé, il a les esprits impurs. Et c'est pas seulement les esprits impurs là, c'est pas seulement chez les fous, hein. Est-ce que vous comprenez? Les esprits impurs n'habitent pas seulement chez les fous. Le féticheur là, possède des esprits impurs. Les incantations là, quand vous dites, qu'est-ce qu'il dit là? On va appeler les ancêtres là. Quand vous faites des sacrifices pour Dieu, on va appeler les ancêtres là. On va appeler les morts, on va réveiller les morts là. Qu'est-ce que vous appelez? C'est les esprits impurs. Quand on fait sacrifice pour que les gens parlent là, vous pensez que quoi? Qui parle à travers les gens là? C'est les esprits impurs qui parlent. Ils parlent pour mentir. Il parle pour mentir. Moi où je suis en train, la personne qui est en train de te parler là, j'ai giflé quelqu'un. Et une parole est sortie. Je me suis levée la nuit comme ça. J'étais possédée des esprits. On dit esprit de mort. Possédée d'esprit de mort la nuit comme ça. Je me suis réveillée. Je me suis levée la nuit. Je me suis levée la nuit. J'ai commencé à gifler les gens comme ça. Il y a des paroles qui sont sorties de ma bouche. Ça ne venait pas de moi. J'étais possédée. Donc, c'est la même chose. J'ai giflé les gens. Je les ai traités de toutes sortes de noms. Sorcier, sorcier. Sors d'ici. Oui, quand l'esprit est sorti de mon corps, c'est comme si une voiture m'a traversé. Tout mon corps me faisait mal. Donc, ce n'est pas parce que la personne a parlé que c'est la personne, et non, c'est les démons. C'est les démons. Et les démons, là, ils parlent. Pourquoi? Parce que les gens, ils font des incantations. Ils ont déjà jugé une personne, ils ont déjà condamné une personne. Et quand ils font les incantations, les gens vont parler, ils vont raconter de n'importe quoi. Oui, si un fou parle, tu vas dire que le fou l'a dit la vérité. C'est la même chose. De toute façon, le fou est possédé là. C'est de la même chose, les gens sont possédés. Et quand on fait les incantations, c'est les esprits, on les appelle. Et les esprits, là, peuvent parler à travers les gens. Oui. Ok, bon. Il y a une vidéo là. Oui, attendez, je vais vous montrer ça là, un peu là. Et puis je m'arrête là. Je vais vous montrer ça un peu. Tout ce qui se passe là. Tout ce qui se passe là, je maîtrise ça, ok? Donc. Attendez, je vais augmenter là. Je voulais pas partager la vidéo là, mais je vais continuer de parler. Bon, on va aller ici là. Attendez. Attendez. Ah. Ouais. Quelqu'un est en train de taper le balai, non? Bah, bah, bah. Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont les incantations.
Ce sont des pratiques du fétiche. Et c'est lui-là, avant que le cercueil là ne se manifeste là, ils ont fait des sacrifices. Oui. Ils ont fait bien, bel et bien des sacrifices pour que la personne qui pense que c'est elle la sorcière, ceux qui pensent qu'ils ont tué là, pour que ça se manifeste. Qu'est-ce qui va se manifester? Ce sont les esprits impurs qui vont se manifester parce que le féticheur n'a rien au fait. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Le féticheur, ce qu'il a là, ce sont les esprits impurs. Et les esprits impurs là peuvent parler à travers les gens. Oui, la femme qu'ils sont en train d'accuser là, elle peut dire, on est 6, on est 15. Pourquoi? Parce qu'avant que ça se passe là, ils ont fait des incantations et la femme n'est pas sauvée, elle prie pas. Donc, elle peut parler. Elle peut dire, nous sommes 5, nous sommes 6. Elle peut avouer ce qui n'est pas vrai. Parce qu'à travers elle, ce sont les démons qui parlent. Si vous voulez plus là, je vais en dire plus que ça. Parce que c'est pas n'importe qui vous parle. Hein. Ok? J'ai été délivrée du fétiche, donc je sais très bien de quoi il s'agit. Donc c'est ça. On va ici et puis je m'arrête là. C'est dit dans Jacques 4, verset 12, c'est dit, un seul est législateur et juste et juge. Que Dieu vous aide à comprendre la parole au nom de Jésus. Que Dieu vous délivre des pratiques obscures, des pratiques démoniaques, des pratiques sataniques. Que Dieu vous délivre de la puissance obscure. Que Dieu enlève cette croyance satanique-là. Que vous vous accrochiez à lui et faites tous la repentance. Repentez-vous, quittez le péché, quittez le mal. Jacques 4, verset 12, c'est dit. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui tu es? Qui es-tu qui juge le prochain? Vous êtes qui dans votre village? Vous vous prenez pour qui même? Vous vous prenez pour qui dans ce village-là pour juger votre prochain? Pour traiter les êtres humains de sorciers. Dieu a créé les êtres humains à son image. Aucun être humain n'est sorcier, non? L'unique vrai sorcier, c'est Satan. C'est dans son esprit, là, il y a la sorcellerie. Donc, tout ce que vous avez utilisé pour faire bouger le cercueil, tout ça, là, ce sont les pratiques obscures, ce sont les pratiques du diable. C'est au mal, là, vous devez renoncer. C'est à ça, là, vous devez dire non. C'est dit, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui pour juger, pour condamner? Vous prenez pour qui dans votre village-là? Vous prenez pour qui? Pour dire que c'est celle-là qui est la sorcière. Non, hein? Elle n'est même pas, même si elle avoue, si elle avoue, c'est pas elle. Satan domine, Satan vous domine. De toute façon, Satan vous contrôle, vous tous là, ici là. C'est de la même façon que quand on fait les incantations, là, les gens peuvent parler pour tromper. Oui, ce sont des mensonges. Moi, quand je me suis levée la nuit là, j'ai commencé à traiter les gens, les paroles sont sorties de ma main s'est soulevée, ma main s'est levée tout seul pour gifler. Les paroles sont sorties de ma bouche comme ça. Oui, c'est Satan qui fait ce son-là. C'est Satan qui fait ce son-là. C'est Satan qui fait ça. Le lendemain, l'Esprit de Dieu m'a parlé pour me dire, Chantal, c'est le serpent, c'est le python. Et j'ai demandé pardon aux gens que j'ai giflé la nuit. Les gens que j'ai traités de sorciers, sorcières, je les ai demandé pardon. J'ai dit pardonnez-moi. C'est ça. Vous devez, si cette femme-là, si vous ne l'avez pas assassinée là, dans votre village, là, demandez pardon aux gens que vous traitez de sorciers. Sinon, vous allez avoir affaire à Dieu.